La voix est un écrin, un trésor de communication. C'est le reflet de notre personnalité, le révélateur de notre vérité, de notre puissance. Aussi fragile que notre âme, elle nécessite d'en prendre grand soin si l'on souhaite qu'elle mette en lumière nos idées et qu'elle résonne avec nos émotions. Il y a la voix chuchotée, sourde, douce, sensuelle, métallique, parlée, chantée, portée, criée, éraillée à tones blanches puissantes. Et puis, il y a la voix qui mue, la voix de Cressel, la voix nasale, la voix empruntée, la voix transformée, la voix avec accent, celle qui bégaye, avec un feu sur la langue, la voix que l'on désirerait avoir. Mais alors, quelle palette, quelle infinité de propositions. Mon cœur s'emballe, j'ai les mains moites et la bouche sèche, mes yeux se mettent à parcourir les alentours dans tous les sens, mes bras m'embarrassent, mes pensées se brouillent et s'entrechoquent, ma respiration se bloque, je suis en apnée. Vous connaissez ces symptômes? Vous les avez déjà identifiés au moins au moment de prendre la parole, au moins une fois. L'éloquence n'est pas seulement l'art de se mettre en scène ou de faire le pitre derrière un lutrin ou autour d'une table lors d'un dîner familial. Non. Porter sa voix, faire entendre ses idées, c'est avant tout avoir trouvé en soi tout ce qui nous anime, nous fait vibrer, tout ce qui résonne, nos rêves et nos ambitions. Travailler sur ses peurs et ses frustrations, sur ses ressentis et ses émotions, implique d'avoir fait un grand plongeon dans son moi profond et d'en avoir compris, enfin en partie du moins, les tenants et les aboutissants. Quelle éducation ai-je reçue? Comment je me positionne au sein de ma famille, de ma fratrie? Lorsque j'étais enfant, m'a-t-on laissé l'espace suffisant pour m'épanouir à ma juste place et me faire entendre? M'a-t-on collé une étiquette de timide, de boudeuse ou au contraire de bout en train? Les règles instaurées d'une religion ou d'une communauté trop présente ont-elles fait entrave à mon épanouissement? Alors souvent, les femmes et les hommes qui viennent me voir manifestent un manque de confiance en eux, un défaut de légitimité. Mais dans la majorité des cas, leur vrai problème ne se situe pas là. Je dis souvent que je vois arriver chez moi des gens qui se déplacent sur des échasses à des hauteurs différentes. Celui qui est vraiment en péril, pour qui tout est plus compliqué, est perché dans les hauteurs, et c'est la vie tout entière qui vacille au-dessous de lui. Ces hypersensibles qui ressentent tout plus fort, je les appelle les émotifs anonymes. Ils sont tout simplement débordés par leur fragilité. Mais ne seraient-ce pas finalement les meilleurs orateurs? On peut donc dire que dévoiler personnalité et émotion, c'est précisément ce qui freine au moment de prendre la parole en public. Et pourtant, si le travail préliminaire s'enclenche pour aller chercher au fond de soi ce que l'on est vraiment, la pensée peut alors s'exprimer. Oui, vous allez pouvoir dire ce que vous pensez. Vous devez même le dire. La sincérité est la clé du succès. La plupart de ceux qui font appel à moi en ont assez de se sentir dépassés par ces autres qu'ils admirent et qui parlent si bien. Alors je pousse personne à devenir révolutionnaire de soi, hors norme ou en marge. Il ne s'agit pas d'être contestataire, mais authentique. Car à force d'avoir cherché à se conformer à la société en se comparant aux autres, on a caché son authenticité sous des couches de plaques de tectonique, comme j'aime les appeler, des carcans éducatifs, sociaux, religieux ou conjoncturels, d'obligations professionnelles ou familiales. Il faut redécouvrir son unicité intrinsèque. Chacun possède une pépite au fond de soi qui ne cherche qu'à émerger et à briller. Donc au moment de la prise de parole, il y a trois éléments qui entrent en jeu. Le dosage de ses émotions, de son authenticité, en modulant son variateur personnel, il faut pouvoir faire fluctuer sa vérité, la délivrer à plus ou moins forte dose. Deuxième élément, la capacité à être dans le ici et maintenant, c'est-à-dire à ne pas anticiper la pensée comme si le temps était suspendu pour laisser émerger la parole.
Troisièmement, il y a ce que l'on accepte de donner à voir, de dévoiler de soi. En fait, l'idéal est de trouver le rituel qui vous convient avant d'entrer dans la lumière. Cette combinaison d'astuces à mettre en place pour vous aider à faire redescendre la pression, je crois bien de la mettre en application, et à accéder à une prise de parole plus agréable et sans contrainte. En mettant en place la stratégie qui vous correspond, vous constaterez que vous n'avez presque plus le trac, ni même cette boule au ventre. Vous aurez réussi à transformer votre stress en une énergie créative. Lors d'une formation en entreprise, une participante d'une trentaine d'années a sollicité un rendez-vous pour sa petite fille, Mona, âgée de 8 ans. Confrontée apparemment à des troubles du langage, elle a du mal à s'exprimer à voix haute. C'est l'institutrice qui a alerté les parents sur son comportement et son repli sur elle-même. Quelques jours plus tard, je les reçois dans mon atelier. Assise sur le canapé, Mona se colle à sa mère et balance dans un mouvement de va-et-vient ses jambes suspendues dans le vide, signe de nervosité et d'appréhension. Alors sa maman raconte qu'elle trouve souvent sa petite fille en train de jouer sans faire de bruit. Et ça l'inquiète. Ce silence rend Mona étrangement transparente. Donc après avoir consulté différents spécialistes pour écarter tout problème fonctionnel génétique, Mona est enfin suivie par un pédopsychiatre qui va déterminer si son blocage n'est pas dû à un traumatisme, un choc affectif ou tout autre obstacle relationnel. Après avoir expérimenté plusieurs approches de ma technique sous le joug de l'amusement, une jolie complicité émerge entre nous deux. Il est temps alors d'aborder le cœur du sujet. Je propose à Mona de bien vouloir choisir un morceau musical sur lequel nous allons travailler. Je la préviens que la musique dans son casque risque d'être assez forte pour ses oreilles et qu'elle devra lire à haute voix deux phrases qu'elle aura apprises par cœur. Effectivement, Mona bute et bégaye toujours au même endroit, sur les mêmes mots. Et alors je lui fais comprendre que ce n'est absolument pas grave et que cela ne fait partie en fait que de la règle du jeu. Voilà, donc résultat, après quelques tentatives, le bégaiement de Mona a complètement disparu, comme par magie. Et en écoutant l'enregistrement de ce qu'elle vient d'accomplir, Mona, surprise, se rend compte qu'elle a réussi à maîtriser sa gêne. Alors cette séquence de travail pleine d'émotions touche à sa fin et je propose alors à sa maman de bien vouloir nous laisser seuls un moment. Mona aurait-elle quelque chose à dire qui lui passe par la tête qu'elle n'aurait osé dire ? Elle me confie s'inventer une vie avec ses personnages imaginaires dans sa chambre pendant qu'elle entend des cris et de drôles de bruits qui font peur. Ses parents se disputent régulièrement. Tout son corps se met alors à trembler. Elle se réfugie sous sa couette et respire très fort pour tenter de se calmer. Alors rien n'est encore réglé pour Mona, mais on peut entrevoir dans les yeux de Mona sa volonté d'y arriver. Cette prise de conscience chez elle qui lui ouvre le champ des possibles. À l'autre bout du fil, Jeanne. Une petite voix douce exprime ses difficultés à se faire entendre en société. Jeanne a 23 ans, elle est tout juste diplômée d'archéologie, et elle a besoin d'être accompagnée pour sa recherche d'emploi. Elle se renferme de plus en plus sur elle-même, elle trouve que personne ne l'écoute. Et cette situation l'amène à douter de ses qualités professionnelles. Ne pas être entendu est souvent interprété comme un signe de faiblesse. Se faire entendre ne consiste en aucun cas à incarner la voix de quelqu'un d'autre ou de devenir quelqu'un d'autre, mais à trouver sa juste place. Alors après plusieurs séances de travail et presque autant de fou rire, Jeanne a progressé. Elle se sent plus forte, pleine de conviction. Et prête à affronter le monde du travail qui, souvent, est quand même sans pitié. Martin. Alors Martin, lui, rencontrait des problèmes au sein de son équipe de travail. Il occupait à l'époque un nouveau poste, en open space, depuis 2 mois seulement. Ce qui le caractérisait, c'était sa fougue, son énergie si particulière, avec cette forte personnalité, son panache, et cette voix unique et puissante. Ce trop-plein de vie qui émanait de sa personne malgré lui. Il sentait parfois qu'il embarrassait les autres et que cela entraînait chez lui de la maladresse. Sous ses airs à l'aise et solide, son profil étonnamment sensible, fragile, le caractérisait et le différenciait des autres. Parce que sa vraie problématique, c'était qu'il se jugeait. Il se trouvait too much. Bah oui,
On lui reprochait de parler trop fort au téléphone, surtout, d'avoir un rire extravagant, tellement sonore. Oui, ben oui, pourtant, le rire, c'est communicatif. Eh ben, Lucien dérangeait. Martin prenait trop de place. Et ses comportements avaient tendance à être interprétés comme des provocations, voire des agressions. Ouais, il m'a même confié avoir été rejeté et mis de côté par ses amis au lycée. Il lui arrivait, malgré lui aussi parfois, de révéler des vérités dérangeantes qui blessaient. Il était si peiné, désemparé de cette mise à l'écart de sa bande d'amis du lycée, que cela l'avait affecté jusqu'à la déprime. Donc Martin, il voulait agir pour trouver comment ne plus se faire remarquer et devenir quelqu'un de normal. Ah, la normalité. Vaste sujet. C'est dingue. Vous vous rendez compte quand même que c'est peut-être pas un hasard si Martin a souhaité que je l'accompagne sur cette thématique, n'est-ce pas? Dans mon métier, on dit, il n'y a pas de hasard, mais des concordances. Une reconnaissance même. Entre celui qui enseigne l'art de la parole et celui qui l'apprend. Effectivement, aujourd'hui encore, après des années de travail sur l'éloquence, enfin sur mon éloquence, quand je me promène avec des amis dans la rue, ben, il arrive qu'ils me demandent de parler moins fort, de faire moins de bruit, de pas rigoler, à gorge déployée, car ça dérange les autres. Ben, à chaque fois que ces mots sont de vrais coups de poignard pour moi. Alors, dois-je changer ma personnalité? Avec Martin, il a fallu travailler sur sa façon de parler. Comment y apporter de la rondeur, comment moduler ses intentions. Il fallait réapprendre la demi-mesure, ralentir le débit et contrôler le flux de parole. Ouais, t'as raison, parce que j'utilise souvent cette image du chat que l'on caresse pour illustrer la douceur qu'il est souhaitable d'apporter à sa voix, ce velouté. Le chat se met alors à ronronner. Il émet un son de l'ordre de la délicatesse. C'est bien cette sensation de douceur qu'il faudrait ajouter à cette élocution que nous incarnons. Alors, il n'est pas question de se métamorphoser pour être accepté. Non, mais Martin, lui, n'avait pas envie de chuchoter pour parler, ni de se brimer pour prétendre vivre normalement. Il avait compris, Martin, comment aménager son comportement et ses attitudes, tout en demeurant en accord avec sa personnalité. Le curseur. Quand on fait ses premiers pas dans le monde du travail, idéalement, il vaut mieux savoir comment déployer ses talents, mettre en avant ses valeurs et tracer son chemin. Il faut prendre le risque de se détacher de tout ce qui nous a construit. Je veux dire, les parents, les amis, les études. Mais attention, l'enjeu, au moment de voler de ses propres ailes, ça n'est pas de se demander si les parents étaient des bons parents ou pas, s'ils ont été trop sévères ou pas assez protecteurs ou insécurisants. Il ne s'agit pas non plus de juger l'environnement précaire ou aisé dans lequel on a grandi. Il s'agit de chercher ce que l'on désire pour soi et son avenir. Ni de perdre le contact avec tout ce qui emplissait notre vie d'avant, surtout pas. Mais de comprendre ce que l'on souhaite conserver et comment y apporter ce petit supplément d'âme dans un grand élan d'optimisme. Il est question de se fabriquer un nouveau cadre. Mais pour autant, avec ce travail sur l'éloquence, on n'est pas vraiment dans la thérapie. Ah non, 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 mais en aucun cas, c'est absolument pas une thérapie, mais non, pas du tout. Mais bien un travail où l'on va, à l'aide d'une loupe, pointer ses problématiques. On peut alors prendre la position méta, hein, ce qu'on appelle la position méta, de la hauteur, du recul, et comme si on avait une caméra, chercher des axes, des prismes différents pour débloquer la situation et laisser place à une nouvelle manière d'être. Donc il risque d'y avoir une répercussion sur notre vie sociale et donc également dans nos rapports avec les autres qui prendront sans doute un nouveau départ. Ouais, ça sera donc autrement. Un futur élan du devenir, celui qui nous permettra d'accéder à nos rêves par sa voix. J'ai été contactée par une start-up de communication franco-américaine née il y a tout juste un an et dont le siège est installé à New York. Je me rends dans sa filiale parisienne, à quelques encablures de l'Opéra Garnier, dans un immeuble high-tech dernier cri. Et durant une journée, j'accompagne une vingtaine de jeunes salariés, la trentaine triomphante. Alors ce sont des jeunes dotés d'une excellente pratique du travail à distance, en usage aux États-Unis depuis un certain temps déjà. Et comme ils ont pour cœur de métier le digital, autant dire que le virtuel ne les effraie pas.
Alors, je leur explique, comme à chacune de mes interventions en groupe, que je n'utiliserai ni matériel informatique, ni PowerPoint, car ici, l'outil, c'est eux. Nos sujets principaux seront la voix, la gestuelle et comment les manier pour être expressifs et performants en visioconférence. En fait, Martine les traite un peu comme des sportifs de haut niveau. L'esprit de groupe est l'un des moteurs du travail. Donc l'idée, c'est qu'en partant du collectif, il est question de zoomer sur l'individuel. La problématique de chacun d'entre eux sera analysée en équipe pour apporter des modifications à leur expression. Et donc, par des exercices à effet miroir et des mises en situation, ils exprimeront le savoir-faire autrement. Et comme on dit au théâtre, on apprend tout autant en regardant qu'en faisant. Jacqueline. Ah. Jacqueline, une charmante femme ronde d'une quarantaine d'années, voulait retrouver le goût de la communication et de la conversation. Je la cite. Depuis un certain temps, elle s'isolait et commençait à en souffrir réellement. Experte comptable dans la même société depuis de nombreuses années, elle désirait postuler pour un cabinet réputé. Se sentant illégitime, elle était tétanisée à l'idée de se présenter à un entretien et de devoir mettre en avant ses compétences. Pourtant, elle avait tout pour y arriver. Jacqueline se l'était pas encore demandé jusque-là si elle était à la bonne place. Et sa situation familiale avait volé en éclats. Divorce compliqué, départ du fils pour des études à l'étranger. En plus, depuis son divorce, plusieurs proches avaient choisi leur camp et cessé de donner leurs nouvelles. Seule, désormais, elle devait se familiariser avec sa nouvelle vie. Et bon, alors Jacqueline venait aussi de perdre quelqu'un de cher et ce deuil nécessairement la fragilisait. Son corps, mis à mal par ses doutes et ses interrogations, réagissait par des plaques d'eczéma à la base du cou qui apparaissait dès qu'elle était stressée. Alors une chaleur la traversait des orteils à la pointe des oreilles qui venaient rouge écarlate. Sa gorge se serrait et se nouait au niveau du larynx avec une telle force qu'elle ressentait une pression sur son thorax qu'elle comparait à une patte d'éléphant qui l'oppressait. Au bureau, Jacqueline appréhendait ses moments. Plus ses symptômes se manifestaient et s'amplifiaient, plus elle était empêchée. Aucun son ne sortait de sa bouche. Elle entendait juste un à la hauteur des cordes vocales, puis plus rien. Parce que le corps, donc, est un bon indicateur de santé mentale. Enfin, on le sait, le corps s'exprime. Pour y remédier, je propose une parade. Gardez en tête d'incarner une humeur vive, une présence solide, être ancrée, bien sûr, et enfin, s'arrêter quelques microsecondes, faire une pause imperceptible afin de reprendre sa respiration, laisser circuler l'air, exactement Laurence, dans son corps, ce qui aidera à dissiper toute forme d'angoisse et de stress. Donc, ouais, la respiration reste l'outil premier. Ah bah c'est évident, oui. Mais il faut s'imaginer donc devenir aussi capitaine de ses émotions. Contrôler, maîtriser. Je propose donc à Jacqueline dans cet objectif d'aller repérer, identifier, intégrer ses émotions, puis les faire passer au second plan afin d'amoindrir leur impact. Réussir à ne plus les subir pour agir afin de les contenir. Une sacrée victoire pour Jacqueline, qui ne pourra par la suite que passer à la deuxième étape, donc savoir s'exprimer avec aisance en travaillant la technique vocale. Si, comme Jacqueline, vous doutez, une mise en place d'une pratique quotidienne de ces exercices simples permettra une évolution permanente et bénéfique. Ne lâchez rien et continuez à progresser, je vous promets. Ouais, ça vient. Lorsque j'ai rencontré Morissette, une amie de mon père, elle venait de fêter ses 84 printemps. Elle aurait pu sortir d'un roman de Flaubert. Elle portait de jolis chemisiers à fleurs, des jupons en mousseline qui donnaient l'impression qu'elle était en mouvement constant. Et à son cou flottaient des foulards de soie qui protégeaient sa gorge d'un coup de froid qui aurait pu être fatal. Cette dame élégante et très active, en dépit de son âge, souhaitait que je l'aide à écrire ses mémoires.
Elle avait fait plusieurs tentatives pour y parvenir seule, mais sans succès. Je serai donc son aide-mémoire. Installée langoureusement dans sa méridienne en velours rouge entourée de ses trois chiens, elle me confia d'avoir été la fille d'une lavandière et n'avoir jamais connu son père. Cela ne l'avait pourtant pas empêchée de devenir la femme distinguée qu'elle était. Elle me révéla en souriant que sa voix gutturale, basse en tonalité, avait contribué à façonner ce personnage qu'elle aimait tant incarner. Je constatais qu'elle avait une façon très singulière de fractionner son phrasé. Elle laissait souvent en suspens la fin de ses phrases, sans jamais les fermer, comme si elle n'en finissait en fait jamais aucune. Morissette avait aussi une manière de se mouvoir très personnelle, féminine et aérienne. Ses gestes étaient si gracieux, un peu comme si elle évoluait dans de la ouate, hein, comme Ophélie, ce personnage de Shakespeare, impalpable, transparent, léger, suspendu dans les airs. Son vocabulaire était tout à la fois imagé et concret. Ah, c'était passionnant de converser avec elle. La plupart du temps, ses récits étaient incongrus et drôles. Elle avait travaillé avec les plus grands du théâtre et du cinéma. De Visconti à Piaf, en passant par Cocteau, le bel indifférent. En fait, elle vivait dans l'ombre en mettant les autres en lumière. J'étais si happée par sa voix, son timbre était resté intact et ne semblait pas avoir vieilli. Elle avait toujours pris grand soin de sa voix et de ses cordes vocales, consciente que, grâce à son timbre singulier, elle déjouait des situations parfois vraiment cocasses. En revanche, sa voix s'éraillait régulièrement, en plongeant dans les graves. Et lorsqu'elle n'arrivait plus à se faire entendre, ça altérait son humeur. Elle s'agaçait et se sentait même parfois un peu déprimée. Alors aujourd'hui, alors qu'elle sentait sa vie basculer, qu'elle perdait pied, sa mémoire lui échappait, elle était consciente d'exister que par la vibration de sa propre voix. Malheureusement, nous n'avons pas pu terminer son livre, car elle s'en est allée avant. Morissette est la femme la plus moderne que j'ai jamais rencontrée, car elle se réinventait à chaque seconde. Cette passionnante rencontre m'a conduit à tracer ma voix, VOX, VOIE. Et à écrire ton premier livre. À écrire mon premier livre. Bravo. Alors, je remercie bien évidemment la manœuvre qui nous accueille et puis ce sacré Jérôme qui doit sûrement se cacher mais qui est là dans cette magnifique librairie parisienne. Il est là. Viens Jérôme, attends, on n'en a qu'une de vie. Viens là, viens, moi ça me plaît. Merci à vous. Viens, un homme au milieu, viens, ça fait du bien. Voilà. Alors je sais pas, je crois qu'il n'y a pas Thierry Billard, mais voilà. Mais on était contents, c'est lui qui est mon éditeur qui m'a fait confiance, qui a accepté. Voilà, le personnage que je suis, m'avoir fait confiance. Il y a aussi la lumineuse Olivia Karam qui se cache et qui m'a aidée à... Soyez modestes, cher.